Je te remercie, hein. Fais comme chez toi. Pas de problème. Super. Merci beaucoup. Mais bon, dis-moi, après la raclée qu'on vous a mise dans le passé, ça t'a pas donné l'envie de changer d'air? Mais la raclée? Non mais tu veux rigoler? Ta bande de pingouins face à ma bande de pyrénéens. Non mais sérieusement, tu sais très bien qu'on avait plus de boutons. Mais alors d'abord, ma bande, elle s'appelle les Aquitains. Et ta bande de pyrénéens, tu devrais la rebaptiser la bande des Guignols. Parce que pour info, je te rappelle que la plupart des boutons, vous les avez volés. Et ça, c'est pas correct. Tout ça, très bien. Mais y a jamais eu de règlement. Tous les coups sont permis. Nos vieux, ils se faisaient déjà leur guerre à l'époque. Et mon père me l'a dit, crois-moi, la tricherie en fait partie et la fin justifie les moyens. Ben justement, on peut faire évoluer notre bonne vieille guerre des boutons. La nôtre. Et tu penses à quoi? Plutôt que de se foutre sur la gueule, de se piquer tous nos boutons, tourne des fringues en ce moment, il y en a de moins en moins. Soyons modernes. C'est un Koh-Lanta Junior. Un Koh-Lanta Junior? Mais qu'est-ce que tu veux dire par là? Bah en fait, chaque bande lance un défi sportif à l'autre bande, on compte les points et le vainqueur gagne le titre. D'accord, j'en parle à mon groupe. Si c'est ok, rendez-vous devant la forêt à l'endroit habituel. Et vu que t'as eu l'idée, je te lance le premier défi. Alors à demain. Pour moi, c'est déjà réglé. Je décide et mon groupe suit. Bon bah, les Guignols, à la revoyure, hein. C'est ça. Salut les pingouins. Alors, vous êtes prêts à relever le défi? Ouais, enfin, si tu expliquais d'abord de quoi il s'agit, on pourrait peut-être te répondre, non? Je vous propose de commencer par un petit douanier contrebandier. Ouais, et c'est quoi ton douanier contrebandier? Deux équipes. L'une est contrebandier, elle doit faire passer les petits billets qu'elle doit remettre à son chef. Mais l'équipe des douaniers doit les intercepter pour les en empêcher. Ouais, bon, d'accord, d'accord. Et les billets, on peut les planquer sur soi, j'imagine. Et les sous-vêtements, on a le droit? Mais non, imbécile. Pas dans les sous-vêtements, je suppose. Alors, pas de fouille au corps. On est bien d'accord. Sinon, ça va finir à la gifle. Enfin, pour le règlement, on planque pas les billets dans les sous-vêtements.
Et on limite le temps de fouille à 20 secondes. Naturellement, seules les filles ont le droit de fouiller notre fille. On n'est pas des pervers quand même. Mais attention, pas de tricherie. Ouais, comment être sûr que vous n'allez pas tricher? On n'est pas des tricheurs, nous, contrairement à certains. J'ai pas oublié nos petites histoires l'année dernière. Alors à ta place, je me ferai plus discret. Mais alors, comment faire? Comment être sûr que personne ne va tricher? Moi, je propose que des adultes parmi nos parents jouent les arbitres. En tout cas, pas les parents de chez eux. Ils trichent depuis qu'ils sont gamins. Mon père m'a raconté de belles anecdotes sur vos vieux. Ouais, moi aussi, j'en sais des choses. Et franchement, il n'y a pas de quoi être fier. T'as raison, à ta place, je ferai pas la fière. Ton père est un tricheur, et ça, je le tiens de mon père qui connaît très bien le tien. Pourquoi vous voulez vous disputer? J'en ai marre de la bagarre, moi. Si j'avais su, je serais pas venue. Va voir ta mère qu'elle a été mouchée. Tu nous fais quoi, là? T'es ridicule, franchement. Bon, ça va. On va en rester là et régler nos comptes en toute loyauté aux douaniers contrebandiers. Alors, on est d'accord? En toute loyauté avec vous? La blague! Bon, ça va, ça va. Bon, comment on s'organise? En deux manches d'une heure chacune. On commence, nous, à être les contrebandiers, et puis on change. L'équipe qui ramasse le plus de billets remporte l'épreuve. Et pour les limites du terrain de jeu? C'est tout simple, de barrière à barrière. Vous prenez la barrière qui ferme le sentier côté route, et nous, la barrière côté camping. Bon, ben, tenez, voilà vos billets. Ah oui, un dernier point, un seul billet par passage, et je donne le signal de départ par un coup de sifflet. Et qui réceptionne les billets? Mais n'importe qui dans l'équipe. Vous avez même le droit de changer en cours de partie. Moi, je veux bien prendre le billet, comme ça, je pourrais m'acheter des tas de bonbons. Mais c'est pas des vrais billets, gamin. Enfin, réfléchis, t'es vraiment naïf, pauvre petit. Bon, t'es pas obligé d'être désagréable, et tu sembles oublier qu'il n'a que 7 ans. Oh, toi, ça va avec tes leçons de savoir-vivre, tu peux pas te les garder? Non, mais d'un ton en dessous, je te prie, je pense pas qu'on t'ait ennuyé au point de te mettre dans cet état. Bon, ça va, ça va. Ça va, on va pas se refaire la guerre. C'est un heure et nous compte avec des épreuves. Alors, qu'est-ce qu'on attend? On commence, ce douanier contrebandier? Bon, on y va. Non, Kelvin, on triche pas. On s'est engagé à ne pas tricher. Maintenant, ton billet, tu le mets ailleurs. Mais comment tu veux qu'il sache? Il n'en sert à rien, arrête de faire du zèle. C'est lui le chef, toi. Alors si tu veux rester dans la bande, t'oublie l'idée, pigé? Fais comme moi, planque tes billets dans les chaussures, c'est une bonne cachette, je t'assure. C'est classique, les chaussures. Dans les oreilles, c'est mieux. Là, j'ai le droit, là, hein? Oui. Comme ça? Oui. Oui, mais c'est facile pour toi, tu es plus petit. Ils te fouilleront moins longtemps, c'est plus facile. Comment ça? Tu es le plus petit de la bande, ils vont pas faire grand-chose avec toi. Ils vont pas te fouiller longtemps. Justement, c'est peut-être un avantage. Il faudrait lui faire passer plus de billets. C'est pas bête, ça. Bon, en attendant, Kelvin va surveiller. On sait jamais qu'il nous espionne pas. Bon, je vous laisse. Je vais me mettre en place. Bon, le mieux, si vous faites attraper, c'est de jouer la montre. On s'est mis d'accord sur 20 secondes, hein. Allez. Allez, viens jouer. C'est un super jeu, tu sais, le douanier contrebandier. Ça plaît aux jeunes, en principe. On se court après, on se cache. Mais je m'en fous de ton jeu débile, puisque je peux pas cacher mes billets où je veux. Écoute, tu essaies juste un petit quart d'heure. Et si vraiment ça te plaît pas, je te fiche la paix. Je te laisse t'ennuyer tout seul, d'accord? Ça marche comme ça? Tu l'as dit, fiche-moi la paix. Laisse-moi tranquille, ok? Moi, je te promets que tu vas adorer. Allez, t'as ma parole. Lâche-moi, je te mords jusqu'au sang. Écoute, les grands jeux de plein air, c'est pour les enfants. Si t'es normal, tu dois aimer. Rassure-moi, t'es pas débile. Alors, normalement, tu dois aimer jouer au douanier contrebandier. Mais voilà, toi, tu veux pas. Tu veux que je te dise, t'es le roi des emmerdeurs. Un chien qui a décidé d'emmerder tout le monde. Un petit merdeux qui prend la tête, d'accord? Très bien, reste là, prends racine, reste tout seul dans ton petit coin. Tu me gonfles, tu comprends ça, tu me gonfles. Et tu n'es qu'un petit menteur qui fait croire à tout le monde qu'il n'aime pas jouer alors que tu en crèves d'envie. Mais non, c'est mieux de mentir à tout le monde. Menteur. Regarde ton nez, Pinocchio, il s'allonge. Menteur. Allez, stop, vous Pinocchio, êtes dans la même équipe, allez. On y va. Menteur. J'ai vu la fin souvent, j'ai vu les portes se fermer. Tant j'ai de mal à te cerner. Ta mélancolie en
ces dimanches passés affalés. J'ai vu des tonnes de paires de jambes à l'envers. Crois-moi, je te jure, c'est les tiennes que je préfère. Wow, oh, oh, oh my sweet darling. De rester agréable et j'étais sûr que j'étais doux. Et j'étais tout sauf ça. J'ai cru que ce serait facile du côté tactile. Grâce à toi j'ai compris le sens du mot touride. Et juste pour ça. Oh my sweet darling. Le plus simple, c'est de nous dire où vous avez caché les billets. Sans quoi nous avons les moyens de vous faire parler. Ar ar ar. Vous avez 20 secondes pour la fouille, pas une seconde de plus, je connais les règlements. Et ça tombe bien, je compte très bien dans la tête. Ça va, ça va, ça va. Arrêtez de nous prendre la tête avec le règlement. On le connaît vu que c'est nous qui l'appliquons. Allez, arrêtez de nous faire perdre notre temps, chaussures, chaussettes et t-shirts, et que ça saute. Et j'espère que vous avez pas triché, hein. Pas dans les sous-vêtements. On n'est pas des tricheurs, nous, contrairement à certains. Écoute, je te donne un bonbon et tu m'oublies. Rends-moi mon billet. On m'achète pas, moi. T'as les boules parce que j'ai trouvé ton billet. Quand je vais passer douanier, tu n'auras pas la moindre chance. Ça, c'est ce qu'on verra. Et c'est vite dit. Tu sais, je suis une véritable petite souris. C'est ça, rigole. Tu rigoleras moins tout à l'heure. Dommage, ils sont super ces bonbons. Peut-être, mais merci pour le billet. Et au fait, j'ai réfléchi. Les bonbons, c'est pas bon pour les dents. Vous avez fini là? J'ai vu la fin souvent, j'ai vu les peurs se faire, mais tant j'ai de mal à te serrer. Mais allez, on se met tous sur une ligne. Une ligne, une ligne, et il passe pas. Moi je te jure, c'est les tiens. Fouillé, m'en même pas trouvé. Ah, terminé messieurs, vous êtes cuits. Plus la peine de courir. Ah, espèce de débile, si tu m'étais pas rentré dedans, ils sont encore derrière nous à nous courir derrière là. Bon, ça va, j'ai pas fait exprès. J'ai buté contre une racine. Et puis de toute façon, c'est de ta faute. Tu courais trop près de moi. C'est de ma faute, Miko, encore, espèce de tâche. Ah non, je te rappelle que c'est la tâche, sans tâche qui tâche. Très marrant, hein. Je vois pas ce qu'il y a de drôle, franchement. Bon allez, 20 secondes de fouille, comme le règlement nous autorise. En caleçon. Allez, plus vite. C'est ça, ouais. Et ma dignité, alors? Discute pas, fais ce qu'il te demande. Remarquez, il y a une meilleure solution. Vous gardez votre dignité et vous nous donnez vos billets. Ainsi, tout le monde est gagnant. Ok, tenez mon billet. Et bon, mon cher cousin, c'est dans les chaussettes. Ah, et ben voilà un garçon intelligent qui ne fait pas perdre de temps. Enfin. Bravo, cousin. À la moindre menace, tu cèdes. T'es vraiment qu'un lâche doublé d'une tâche. Sans tâche qui tâche. Ça va, c'est de moquerie. Prenez le billet, tirez-vous. Oh, mais oui, monseigneur. Ouais. À votre service, bien sûr. J'ai un billet en garde de 500 en plus. Waouh, c'est bien. Et tu l'as pris à qui? À personne, je l'ai trouvé par terre. Mais je suis malin, j'ai remarqué qu'ils laissaient toujours tomber leurs billets avant d'être attrapés. Alors là, bravo petit. Bon, ça va, tu vas pas me fouiller pendant 2 heures. Puisque je te dis que je l'ai perdu en cours de route. Et je suis sortie de croire. Tu te fous de ma gueule là. Allez, dis-moi où t'as plaqué tes billets et on en parle plus. Non mais je rêve, et même si je l'avais, ce qui n'est pas le cas, jamais je te le dirai. Enfin, réfléchis. Enfin, si tu peux. T'es comme ta mère, toujours à raconter des histoires. Laisse ma mère en dehors de ça, compris. Et puis, on peut savoir d'où te vient cette information? Ben, de ma mère, et elle sait de quoi elle parle, puisqu'elles se connaissent depuis qu'elles sont toutes petites. Ta mère, elle raconte autant d'histoires que la mienne. Mais enfin, la tienne plus que la mienne. Vu qu'elle est concierge, ça explique tout. Ah bon? Et la tienne, elle est coiffeuse. Et les coiffeuses, ça passe son temps à papoter.
et à tailler en quatre n'importe qui. Au lieu de débiter de telles sottises, tu ferais mieux de t'activer, ma vieille. Ok, enlève tes chaussures et tes chaussettes. Quand je repense au Brésil et les 7 buts qu'ils ont caissés en demi-finale, j'ai encore du mal à le croire. C'est fou quand même. En même temps, ils ont pris 4 buts en 6 minutes. Qu'est-ce que tu veux faire? Et puis, il manquait Thiago Silva. Hein. Puis, il en manquait surtout Neymar, leur meilleur joueur. N'oubliez pas que c'était les Allemands en face. Et eux, c'est du costaud. Et nous, on a perdu que par 1-0. Si on passait l'Allemagne, on bouffait les Brésiliens par 1, 2, 3-0. Eh, arrête de rêver, hein. On n'est plus en 98. Hein. Puis on n'a plus Zidane. Hein. C'est la faute de leur entraîneur. Il a fait le mauvais choix. Et un peu des joueurs, non? C'est quand même le Brésil le pays organisateur. Hein. Ils ont quand même gagné 5 fois la Coupe du Monde. C'est triste quand même. Hein. Ouais, mais ça, c'est le passé, mon petit père. Maintenant, il faut vivre dans le présent. Écoute, je suis le chef, point. On ne recommence plus comme les années précédentes. La petite guerre à coups de bâton dans les bois, terminée. Je te rappelle que l'année dernière, on a eu un gros pépin. Attends, 2 points de suture pour ce pauvre Kevin, c'est pas bien méchant. Et puis mon père, il dit que ces épreuves sportives, c'est pas dans la tradition familiale. Eux, dans le temps, ils revivaient la vraie guerre des boutons. C'était plus cool. Faut vivre avec son temps. On est en 2014. Plus dans les années 60, 70, 80. Faut savoir renouveler les traditions. Aujourd'hui, les jeux sportifs et les grands jeux, eh ben, c'est plus moderne que la guerre des clochers de nos parents. Allez, juste une épreuve qui se rapproche de nos grandes batailles de l'an passé. C'était plus cool d'arracher les boutons et d'en attacher aux arbres. Bon, je vais y réfléchir. Mais je vous promets rien. Mais soyez gentils, arrêtez de me prendre la tête. Déjà, j'ai une foutue migraine depuis ce matin. Non mais là... Bon, je vais être clair, net et précis. C'est qui? Ah, c'est bon, faisait juste un concours de jungle. Je veux pas le savoir, sinon c'est tout le groupe qui trinque. C'est qui? C'est moi, j'arrive pas à contrôler ma force. Oh, c'est pas bien grave. Foulard la paix. Oh, merci, je te remercie de ton aide, c'est bien. Tiens, par là, deux secondes. Écoute, il y a des règles au sein d'une équipe, hein. Une des plus importantes, c'est ne jamais se contredire devant les autres. Tu comprends, c'est anti-pédagogique. Mais non, mais qu'est-ce que t'as là? Tu me regardes là? Soit à la réunion de groupe, on en reparlera. Mais je voulais pas te contredire, au contraire, t'aider. Tu sens un peu tendu, hein. Oui, je suis tendu, mais j'ai reçu une foutue migraine depuis ce matin. Tu vois, j'ai à peine 14 ans et je dois diriger tout notre groupe. Je préfère qu'on me soutienne, pas qu'on me prenne la tête. Je suis désolé, c'est de ma faute, j'arrive pas à doser ma force. Tu sais pas doser, hein. Tu l'as fait exprès, hein. Ah, tu sais pas doser. On va s'expliquer. Nouvelle épreuve. Tu vas prévenir ta bande. On va vous défier sur une partie de foot. Vous dans vos couleurs de poussin. Et nous en rouge de colère. On verra si tu sais pas doser. Ah, désolé mon petit garçon, j'arrive pas à contrôler ma force. T'as pas trop mal j'espère. Allez. Oui. J'en ai marre de prendre le ballon en pleine figure. Si j'avais su, je serais pas venu. Allez, ça va, ça fait mal sur le moment. Bah après, on n'y pense plus. Allez, faut rester cool. Mais putain, on peut pas faire gaffe, merde. Mais je croyais qu'il fallait rester cool. Oh, toi, ferme. Je déclare notre jeu Aventura ouvert. Que le meilleur gagne dans un bon esprit et sans tricherie. Je déclare au nom de l'équipe que nous relevons votre défi dans le respect de la loyauté et dans l'esprit de nos aînés pour que notre nouvelle version des gardes et colons soit honorable. Et conforme à une bonne déontologie qui exclut tout acte de malveillance.
J'ai pas tout compris, mais qu'est-ce que c'est bien dit? Moi, j'ai pas trop compris jusqu'à Théo Longhi. Mais bon, du moment qu'on s'amuse et qu'on les batte surtout. Ouais, t'as raison. Mais ça va pas bien là, tu veux pas non plus lui enlever le bandeau pour que ça soit plus facile, espèce de tricheur hein? Ouais, de quoi tu me parles? Tu le sais très bien, on dirige son partenaire avec la voix, pas la main. Ouais, j'ai le droit de donner un coup de main à mon partenaire hein. Humour, humour. Mais remarque, avec un QI de mouette, je comprends que t'aies du mal à percuter hein. C'est ce que te dit la mouette, va te faire cuire un œuf. Et pas de mouette, je te le déconseille fortement, c'est très indigeste. Non, tu vas baisser d'un ton là hein. Sinon ton bec, je vais te le fermer moi. Vas-y, pour voir, je vais t'apprendre la politesse, moi. Toi, la politesse, tu peux ouvrir la bouche sans insulter les autres. Oh, oh, oh. Non mais ouais, là, on se calme. Ok, la guerre, elle est terminée. Ici, c'est les jeux. Donc si vous voulez vous expliquer, c'est pas les jeux, pas les épreuves. Et toi, tu me regardes, là. Tu me regardes pas comme ça, c'est pas les épreuves que tu risques. Ok, je veux plus vous entendre. J'en ai marre, là. Mais ici... Les équipes. Moi pourquoi? Parce que j'arrête pas de perdre. Et alors, c'est pas important ça? T'as trois épreuves pour te refaire. C'est peut-être pas important pour toi, mais moi je dois faire équipe avec ce petit. Comment veux-tu que je gagne? Allez, c'est qu'un jeu. C'est pas bien, je fais que perdre. Je suis pas bien et le petit non plus. Allez, c'est qu'un jeu. Elle a bon de Faustine, hein. Et elle est toujours contente, alors on a qu'à lui refiler le petit. N'importe quoi. Idiote. T'es comme tricheur, mon père me l'a déjà dit. Déjà que ta mère trichait à mort, t'es bien son fils. Et toi qui crois que c'est mieux avec ton père, qui n'a pas hésité à voler le trésor de tous ces bonbons gagnés sur le champ de bataille, à ta place, j'aurais honte. Mais le vol, en temps de guerre, on a le droit. C'est une forme de ruse. Hé, okay, t'as pas le droit! Qu'est-ce que tu veux que ça me foute? 3, 2, 1, go! Allez! Ce n'est pas équilibré. Dis-moi, en cas de chien avantagé, on doit juste plonger la tête dans la farine, récupérer un jeton. Je suis avantagé en quoi? T'as une plus grande bouche d'ailleurs qu'à t'entendre parler, ça se voit, ça crève les yeux et les tympans. Dis-moi, dans la série, je dis des grosses conneries. Je crois que t'as déjà gagné.
Ça va. Allez, 3, 2, 1. Stop. Pas qu'à m'enlever mes lunettes, moi. Oh. Calme-toi. Bon. Là. 3, 2, 1. Portez. Mais voyons, faut pas te gêner surtout. Vas-y, rajoute des pièces, comme ça t'es sûr qu'elle en attrapera une. Bah, il n'a que 7 ans, faut bien l'aider un peu quand même. 7 ans ou pas, la règle est la même pour tout le monde. T'es pas d'accord? Ouais, ça me dérangerait pas qu'il ait d'autres pièces. Ça, c'est sûr que ça risque pas de te déranger. Ouais, les filles, on va pas se disputer pour ça. Elle a juste voulu l'aider, histoire d'équilibrer. Tu vois, ton problème, c'est que tu es juge et parti. Pourquoi tu dois partir? Toi, tu commences à me gonfler sérieusement, tu sais ça? Et je suis pas la seule à le penser. Et toi, tu sais ce que tu es? Une gueule enfarinée. Et pour la réparation de la douche, vous venez quand? Je vous dis franchement, mon père en a marre d'attendre. Quoi? J'ai parfaitement le droit de vous appeler. Je suis son fils et comme mon père est absent pour la journée, c'est moi le boss. Non, maniez-vous, vite! Attendez, vous avez pas compris là. On a des amis qui viennent cet après-midi et ça a intérêt à être arrangé d'ici là. Ah non, je veux pas savoir, sinon on trouve une autre location pour la journée. Ouais, c'est ça. Bonjour chez vous. Tu vas pas recommencer. Il me semblait que j'avais été claire avec cette fille. Non mais franchement, qu'est-ce que tu lui trouves? Elle a tout à fait raison. Et ce que tu fais, ce n'est pas sympa. Surtout après ce qu'elle a fait l'année dernière. Arrête, c'est une amie de longue date. Puis je te rappelle que... Franchement, jusqu'à l'année dernière, elle faisait partie de notre bande. Moi, je peux pas le supporter. Non mais franchement, je vois pas ce que tu lui trouves à cette pouffe. Et je suis correcte. Ouais, c'est une vieille vipère. D'ailleurs, quand elle parle, tu vois sa langue qui dépasse presque de sa bouche comme une vipère, quoi. Arrêtez! On est en vacances, profitez! Puis franchement, si vous voulez pas lui parler, rien ne vous oblige à échanger avec elle. Je te préviens, c'est elle ou c'est moi. J'en ai marre de passer après les autres. J'ai l'impression que t'as la mémoire courte. T'as l'air d'avoir oublié la petite histoire de la boum l'année dernière. Elle te parlait et te draguait à se bouger comme une abeille autour d'un pot de miel. Non mais franchement, je vois pas ce que tu lui trouves. Je te préviens, j'ai pris sur moi l'année dernière, mais si tu recommences, j'irai voir ailleurs. T'as bien compris? Ailleurs. Et c'est pas les beaux mecs qui m'en dans le coin. Salut! Moi je la comprends et ce que tu fais ce n'est pas correct. T'as pas à sympathiser quelqu'un de notre bande, salut. Mais arrêtez, s'il vous plaît. On est de la même bande, non? Regarde là, mais qu'est-ce qu'elle lui trouve? Normalement, les meufs, ça devrait pas être un problème pour nous. Normalement non, mais pour nous aussi. Qu'est-ce qu'on a de moins que les autres? Ah, mais on a rien de moins, on a même plutôt plus. Mais ce qu'on a en plus, c'est de trop. Qu'est-ce qu'elle nous reproche, les meufs? On est habillés à la mode. À la mode, oui, mais de quelle année? That is the question. Là, ah là, mais tu parles pour toi, là, hein? Ça compte pas, ça, l'apparence. Une fille, ça juge pas là-dessus. Oui, n'empêche que la dernière fois, la boum, il n'y a aucune qui t'a annoncé la parole. Quoi? Dimanche, quand j'avais mis ma belle tenue? Belle tenue, c'est vite dit. C'était quand même limite ridicule. C'est le moins qu'on puisse dire. Avec ta chemise à jabot et tes chaussures à haut talon. Bah évidemment, c'était une soirée à thème, un peu un carnaval quoi. Puis tu sais, si les meufs, elles viennent pas me parler, c'est parce qu'elles n'osaient pas. Enfin,
Elles étaient impressionnées. Ah ben, faut dire que c'était impressionnant. Et vous, vous en avez eu beaucoup des filles? Non, mais c'est parce que je suis très difficile. Et moi, exigeant sur la qualité physique et intellectuelle. Une belle petite gueule dans une tête bien faite. Pourtant, moi, je suis pas difficile, mais j'en ai quand même pas eu beaucoup. Moi, j'ai un truc. Quand je vois une fille, je lui fais sentir qu'elle ne doit pas s'intéresser à moi. Et ça marche? Ouais, elle s'intéresse pas à moi. Vous vous rendez compte? Je lui ai proposé de passer nos vacances à Narbonne-Plage où on a une belle villa, il a refusé. Sérieux? Ouais. Jessie, il aime l'imprévu. Et toi, tu as tout organisé, donc t'as tout faux, ma vieille. Normal, il avait envie de changer d'air. Ouais, résultat, il m'a planté et nous voilà encore ici pour une cinquième année d'affilée. Ah, mais c'est bien ici. Et puis j'insiste, c'est normal qu'il ait envie de réfléchir, non? Mais pourquoi tu râles? C'est sympa ici. Ouais, enfin... Il m'a juste dit qu'il voulait faire un break et dire que j'avais tout prévu. Randonnée à cheval, bivouac, escalade... Sérieux? Ouais, j'ai même envisagé une visite de musée. Ouais. Et vous allez me dire que c'est nul, ça? Non, mais tu fais toujours les mêmes choses. Mais au fait, t'es pas au camping, toi. C'est vrai, t'es pas au camping, cette année. C'est vrai, pourquoi vous êtes à l'hôtel? C'est mieux, le camping. Ah, c'est à cause de ma mère. Elle en avait marre de se taper la vaisselle, le ménage. Alors mon père, une fois de plus, lui a cédé. Oui, bah en même temps, si tu l'aides pas, c'est normal que vous soyez à l'hôtel. Et puis, tu sais, nous, on la laisse pas en galère comme ça à tout gérer dans le mobil-home. Hein. Moi, je mets toujours la table, le couteau à droite et la fourchette à gauche. C'est bien, petit Gibus. Je suis contente de le savoir. Tu vois, si t'avais aidé ta mère, tu serais au camping avec nous. Et ça serait moins compliqué de se rejoindre. Quelle importance! Le principal, c'est que notre petite bande soit toujours là. Et qu'on relève les défis avec les autres. Pourquoi on fait pas la paix avec eux? C'est vrai, c'est pas toujours marrant de se faire la guerre. Mais on fait pas la guerre cette année. On fait des épreuves sportives, un peu comme le jeu télé, tu sais, Koh-Lanta. C'est plutôt cool, non? Ouais, on peut être fiers. Ouais, c'est super cool. J'en avais marre de cette petite guéguerre dans les bois. Chaque année, c'est la même chose. Enfin, du changement. Et le changement, c'est maintenant. Et en plus, ça vient de chez nous. C'est pas les autres neuneux qui auraient trouvé une idée pareille. Ouais, ouais, on peut être fiers. Ouais, bon, allez, on va travailler. Sans amour, sans soucis, sans problème. Oui, la belle vie. On est seul, on est libre. Et on traîne, on s'amuse à passer sans peur du lendemain. Garçon, toujours à raconter sa vie. Il n'a pas changé. Toujours à se plaindre, il n'est jamais content. Quel pénible. Ça, c'est vrai, ça. Et tu sais que la Gigi, elle est avec un autre mec. Mais enfin, de quelle Gigi tu me parles? Mais enfin, Gigi, celle qui fait sa starlette, toujours à bouger du popotin. Ah d'accord, bah tiens, elle est revenue à CNews cette année? Oui, et pas toute seule. Elle a un nouveau copain, Jesse qui s'appelle. Décidément, il n'a pas de chance. Mais bon, après tout, il l'a bien cherché, vous ne croyez pas? Comment ça? Mais enfin, tu te souviens pas? Pourquoi, je devrais? Un peu, oui. Rappelle-toi l'année dernière, lors de la dernière soirée, quand on a fait la boum, cet idiot a invité la Charlotte devant Gigi. Ça y est, tu te remets maintenant? Ah ouais, ça me revient. Elle lui avait même donné une gifle. Et tu m'étonnes qu'elle se soit trouvée un nouveau copain. Au moins, moi je suis tranquille. Pas de meuf cette année, donc pas de problème. Ah ouais? T'as pas de copine cette année? Mais pourquoi tu ne lui téléphones pas? À qui? Ben, à Kevina. Qui d'autre pour savoir s'il est retourné auprès d'elle?
C'est ça. Je lui ai parlé depuis 2 jours et je lui dis, est-ce que Jessie, que je t'ai piqué, est parvenue auprès de toi? Au moins, tu serais fixée. Moi, j'ai appelé Benjamin. Je lui ai dit, est-ce que tu es partie avec Cindy? Il m'a dit oui et il a raccroché. J'étais fixée. Est-ce que tu veux que je l'appelle? Toi? Oui, j'appelle et je lui dis que je suis une amie de Jessie. Faustine? Oui? Si je te dis précisément ce qu'il faut lui dire, tu penses que tu peux le faire? Il y a des moments où j'ai vraiment l'impression que tu me prends pour une conne. Mais bien sûr que je peux le faire. Qu'est-ce que je dois lui dire? On n'a qu'à servir du projet d'animation de la chanson pour le spectacle de fin de séjour. Oui. Alors, tu te fais juste appeler Leblanc. Et tu lui dis que tu es la fille du responsable des animations. Oui. Tu as bien lu le texte de la chanson et t'es d'accord qu'ils se produisent pour le spectacle. Oui, c'est bien ça. Et en fin de conversation, tu lui demandes où tu peux joindre son partenaire pour la chanson. Mais quel partenaire? Mais Jessie, je t'ai dit qu'il avait écrit cette chanson avec elle. Ah oui, exact. Excuse-moi. Oh là là, ça marchera jamais. Mais si, j'ai compris. C'est pas simple, mais j'ai compris. Alors, tu es la fille du responsable des animations au camping, ok? Est-ce que c'est une bonne chanson? Très mauvaise, quelle importance? Mais si la chanson est si mauvaise, pourquoi je vais la programmer au spectacle? Faustine! Oui? Tu n'es pas chargée du programme des animations spectacle? Non. Tu n'es pas la fille du responsable des animations? Non. Alors, ce n'est donc pas pour programmer la chanson débile que tu appelles, mais pour essayer de savoir où est Jessie? Oh, c'est très tordu, mais bougrement intelligent. C'est quoi son numéro? Je vais le faire moi-même. Son nom, c'est juste Kevina. Elle a pas de nom? Je viens de te le dire. Juste Kevina. Hein? Faustine, c'est ton nom. C'est juste. Oui? Eh bien, elle, c'est pareil. C'est juste. Bon. On a assez perdu du temps comme ça. Je vais me débrouiller. Je te retiens pas. Salut. Je sais pas pourquoi, mais j'ai vraiment l'impression que tu me prends pour une conne. Si tu fais une bouffe, ne m'invite pas. Mais comme tu voudras, j'aurai pu t'aider. À mon tour de te dire salut. Salut. Oh, mais tu es sérieux là, tu joues comme une brêle. Ah. Oh lolo, d'abord, c'est 2 canons. Ah, si j'étais pas fidèle, hein. T'as un problème, qu'est-ce qu'il y a? J'ai trompé ma copine, j'ai rencontré une Australienne au camping et j'ai pas pu résister. Attends, une Australienne? Comment ça? Non, rien en fait, non, c'est rien en fait, c'est juste, il y a beaucoup d'Australiennes sur le camping en ce moment, c'est tout. J'ai invité... Une boum, j'allais pas y aller tout seul, là, comme ça. Fallait bien que j'y aille accompagner. Jusanne était malade, je suis tombée sur la fille, je suis tombée amoureux. Et puis quoi? Tu l'as pas embrassée non plus? Non, bien pire. Je lui ai donné mon 06. Oh, mais ça, c'est pas grave, tout va bien. Elle est pas au courant non plus. Mais si elle apprend, je la perds. Bon, écoute, mec. Faut faire un choix. C'est soit Louison, soit l'Australienne. Mais franchement, faut que tu te décides où tu joues un peu les gamins là. C'est pas bien. C'est Louison que j'aime. L'Australienne, c'était juste un moment d'égarement. Alors mec, je vais être franc avec toi. T'as trompé ta copine, elle est pas au courant, tu le regrettes. T'es un mec bien, ok? Tout va bien tant qu'elle le sait pas. C'est ok. Bon allez, on reprend. Et vous l'avez choisi par hasard, ce camping? Pas tout à fait. En fait, on est tombé en panne pas loin d'ici. Donc, on s'est installé dans le camping. Et comme ça, j'ai pu inviter Axel. Et remarque, moi, je ne regrette rien. Moi, j'adore le camping. Je me suis jamais autant amusée. Ouais. Mais comment vous avez fait? Il faut réserver à l'avance pour avoir un mobilhome.
C'est un certain Jonathan qui nous héberge. Vous devez le connaître, non? Ah ça, pour le connaître, il est incroyable ce type. Il se fait appeler Jonathan Holland. Mais un petit conseil, ne lui confiez rien du tout. Parce que sinon le camping va le savoir dans l'heure. Je vous jure. Tu ne peux rien lui confier, moi. Je lui ai parlé d'un problème à mon voisin de mobilhome. Un type pénible et il a bien fini par le savoir. Bonjour, c'est moi Clovis. Oui, mais bon, c'est un brave type. Et puis comme ses parents sont absents, et il nous dépanne. Ouais, il est sympa. Ouais. Et on en profite pour avoir de nouveaux amis aussi. Pourquoi pas un petit copain occasionnel. Et toi, les garçons, tu s'aimes comment? Je dirais marrant, assez distingué, une bonne éducation, quoi. Moi, je les aime quand ils me font rire. Ouais, ça tombe bien. C'est tout à fait moi, ça. Moi, j'aime bien les garçons blonds, avec les cheveux très courts et des yeux bleus. Mais bleu, bleu, bleu. Oh, le nazi, quoi! Ça vous dérangerait pas de répondre quand on vous parle, hein? Vous êtes que des filles. Des filles mal élevées, tiens. Et insignifiantes. D'ailleurs, je sais pas pourquoi je vous parle, hein. Non mais ça va pas dans ta tête ou quoi? Non mais t'es cinglé ou quoi? Il a un malaise le bonnet de bain. Oh, il fait chaud tout d'un coup. Je vais me baigner moi. Moi je vais me baigner. Ah bah va te baigner. Mais comment peut-on être aussi grossier? Ah bah alors on embête les filles comme ça? Foutez-moi la paix! Mais t'inquiète, on va te la foutre, la paix. On veut juste que tu me dises si l'eau est pas trop froide. Je te rappelle qu'on a une épreuve tout à l'heure, hein? Pourquoi vous faites ça? Faites pas la guerre cette année. Pourquoi vous faites ça? Laissez-le tranquille. Bah, nous, il nous a rien fait. Mais avec les filles, il a pas été poli. Alors, punition. Et puis, ça te fera un petit entraînement, hein? Et tu te crois marin, bouffon, va. Oh, toi, tu me parles mal de la bouche, toi. Mais c'est pas sympa de parler comme ça, hein? Laisse-le tranquille, sinon je le dis à mon père et il va te passer l'envie, tu verras. Bah alors, on a besoin de son petit papa, tu peux pas te débrouiller comme un grand, hein? Tu n'es qu'un lâche! Et toi, tu parles trop! Attendez. J'ai une annonce de la plus haute importance à vous faire. Bon, comme vous le savez, on a terminé à égalité au nombre d'épreuves. Ça, c'est pas mal. Et puis, pour cette année, il n'y a pas eu de vrai bobo. Donc, après cette veillée, finale, bien sûr, on va se partager le trésor. C'est-à-dire un gros paquet de bonbons financés par la cotisation de tous. Demain, c'est le grand jour du départ. Et oui, dans quelques heures, c'est terminé notre petite guéguerre. Bon, je sais que pour vous, c'est horrible, mais alors pour nous, pour moi surtout, c'est vraiment un soulagement. Et oui, demain soir, vous serez tous chez vous tout seuls. Bientôt la rentrée. Les parents. Les profs. Bref, l'angoisse. Alors, est-ce que vous voulez un conseil? Ouais!
J'ai rien entendu, est-ce que vous voulez un conseil? Ouais. Alors, dernière soirée, profitez-en. Ouais. Oh, je lance le défi de l'arrière-ruche, allez. Tiens bon le vent, Iseo, Santillano, si Dieu veut toujours droit devant, nous irons jusqu'à San Francisco. Je pars de long moi en laissant Margot, Iseo, Santillano, d'y penser j'en ai le cœur gros, en quittant les feux de Saint-Malo. Tiens bon la vague et tiens bon le vent, Iseo, Santillano, si Dieu veut toujours droit devant, nous irons jusqu'à San Francisco. Yeah! Bah quoi, celle-là aussi vous la connaissez pas? Mais bon, mais c'est un classique hein. Enfin, Hugo Frey, Santiano! Oh là là! Mais si! Comment ignorer une telle chanson qui fait partie du patrimoine de la chanson de Veillé? Oh, tu nous gonfles avec ton patrimoine! Nous, on veut autre chose de plus moderne! Mon cher, puis-je te suggérer que La Montagne est belle de Jean Ferrat? On veut pas de ta belle montagne, c'est une chanson de vieux! Tu parles autrement, ok? Il peut pas, le pauvre, c'est sa façon à lui d'exprimer. Il n'y peut rien. T'as pas quelque chose de plus moderne dans ton répertoire? Je sais pas, moi, des chanteurs vivants au moins. Je tiens à te signaler, jeune fille, que Hugo Frey se porte très bien. Ce qu'on veut, c'est autre chose. Une musique qui nous donne envie de bouger, de sentir les notes glisser dans nos oreilles. T'aurais pas ça dans ton répertoire? Peux t'emprunter la guitare, vous semble? Bon, ouais, vas-y. Thank you.
pas la tête. Mais oui, attends, ça fait 5 ans qu'il joue de la guitare. Bah moi aussi. Juste que tu renouvelles un peu ton rire pertoir, Sotiano. C'est bien, mais ça commence à dater. C'est sûr qu'avec Happy de Pharrell Williams, tu peux pas lutter. Ouais, bon, tout ça, c'est du blabla, vas-y, y'a 3 accords en boucle et c'est terminé. Oh, c'est du match vu. Ouais, mais attends. Bah j'imagine que c'est un peu nouveau pour toi de jouer avec un garçon de mon niveau. Ouais, c'est nouveau. Bah alors, ça t'a plu? Moyen. Moyen quoi? Moyen fort Moyen quoi? Bon, moi j'ai un truc. C'était bien, on a joué ensemble, mais on va pas en parler toute la nuit. Il fallait bien un jour que je joue avec un garçon. C'est tombé sur toi, ok. J'aurais pu tomber Pierre. Mais d'ailleurs, il faut que j'aille en essayer un autre. Bon, je m'excuse, mais moyen, ça veut rien dire du tout. Moyen, ça veut rien dire du tout. Bah alors, qu'est-ce qui va pas? On te cherche partout, pourquoi tu viens pas? Ça va pas, t'as eu un petit coup de cafard. Tu sais, ça arrive à tout le monde. Je sortirai jamais avec une garçon. Mais tu dis des bêtises, pourquoi tu dis ça? Peut-être que tu sais pas comment t'y prendre. Ben, j'en ai parlé à Lucie et elle m'a répondu « Je pose trop de questions. » Tu trouves que je pose trop de questions? Non, ça veut dire que tu t'intéresses, c'est bien. Au moins, ça veut dire que t'es curieuse. C'est un bon signe. Je vois bien que je plais pas. Les mecs, je les intéresse pas. Mais tu dis des bêtises. Tu sais, faut que je te fasse une confidence. Si moi, j'avais eu ton âge, je serais bien sortie avec toi. C'est vrai? Ah oui, je suis très sérieux. Tu me dis ça pour me faire plaisir. Ah non, 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 je suis très sérieux. Je le prends pas mal, mais je crois que j'aurais pas accepté. Je préfère qu'on reste amis. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Bon, sinon, sympa le coucher de soleil. Ouais, ouais. Bon. Ah, bon, bah, on a 10 heures de route, hein. Bon bah je pense qu'on a passé une bonne semaine tous ensemble, non? Tu me fais la bise? Tu m'envoies un snap à ton arrivée? Bon ben, salut chef. Je te dis à l'année prochaine. Pour moi c'était un plaisir de t'avoir comme copain et comme chef. Et pour ce que tu sais, merci. Moi j'ai surtout adoré les épreuves en forêt, c'était génial. Merci pour ça. Moi, j'ai préféré la veillée avec les jeux. Qu'est-ce que c'était amusant, surtout le jeu Robineau et Mouillette. Mais pourquoi vous rigolez? C'est parce que le jeu s'appelait Roméo et Juliette, pas Robineau et Mouillette. Bon, bah, salut, hein. Et à l'année prochaine, j'espère, pour une nouvelle guerre des colons. Mais au fait, pourquoi vous appelez ça la guerre des colons? Ah, c'est une longue histoire. À cause de nos parents. Quand ils étaient enfants, ils venaient souvent dans le coin faire une colonie de vacances. Et à l'époque, ils jouaient à la guerre des boutons, tout en s'imprégnant d'un film de cette époque. Et comme ça se passait dans des colonies de vacances, ils l'ont appelée la guerre des colons. C'était mieux de l'appeler la guerre des boutons. Mais pourquoi? À cause de tous les moustiques qui m'ont piqué, j'ai des tas de boutons partout. Ah, tu nous auras bien fait rire. Tu vas me manquer. Bon, salut, hein, à l'année prochaine, et je compte sur vous pour une... Une guerre des colons! Non, une guerre des boutons! Ça peut te faire plaisir, hein. Bon, allez, salut, petit Gibus. This
un texto dès que tu arrives, histoire d'être rassuré. Mais oui, t'inquiète pas. Je voulais dire, t'as été un bon chef, grâce à toi on n'a pas perdu. Mais bon, on n'a pas gagné non plus. Quelle importance, on s'est bien amusé, non? T'as bien fait d'accepter ces épreuves sportives. Moi, je me suis bien éclatée. Plus d'action, moins de baston. C'est mieux quand même. Au moins, cette année, on s'est pas foutu sur la gueule. Et puis, comme ça, on a fait des belles économies sur nos boutons, non? Ça, c'est vrai, ça! Mais qu'est-ce que t'en sais? T'étais pas là l'année dernière. Oui, mais mon cousin qui faisait partie de votre bande m'a tout raconté. Et l'année prochaine, on fera la même bande, d'accord? Moi, ça fait 2 ans. Et toi, Cyril, ça fait combien de temps? Il y a 5 ans à peine. Il y a 5 ans déjà. Ma mémoire est incertaine, mais lui, mon cœur, n'oublie pas. Un été de porcelaine de plus, un cœur pour la première fois. Qui chavire et se déchaîne et balbutie les premiers pas. Des étés de porcelaine, j'en ai connu après toi. Sans que jamais ne revienne le goût que tu leur donnas. Un jour, j'ai revu la plage et j'ai retrouvé des enfants. Qui, comme nous, jouaient à leur âge le brouillon de leurs 10 ans. Merci, c'est sympa de reprendre une dernière fois les paroles de cette chanson que j'adore. C'est un beau final. Bon ben, salut, à l'année prochaine. Ça n'existe pas. Oui, d'accord, ça t'aurait fait 30 points avec le mot compte triple, mais ça n'existe pas. Xo non plus, d'ailleurs. De toute façon, avec ta gueule, on peut pas aller bien loin. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Mais non, je dis simplement que t'as mis gueule en plein milieu du jeu, donc ça me bloque. Tu fais de l'anti-jeu, comme à chaque fois. Bon ben, qu'est-ce que tu attends? Vas-y, joue. Abruti? Non, un saleté. Ben, t'en enlèves un. Bon, je passe mon tour, mais j'ai changé une lettre. Tiens, change-moi la lettre. Bah d'accord. La prochaine fois, je joue moi-même. Hein. Bon sang ! Ah, il me manquait un M et un T et je faisais limité avec ta gueule. Ah, c'est chiant, il me manquait un M et un T. Pourquoi tu ris, toi ? Ah oui, c'est vrai, t'es en pleine âge bête. Bon, allez, c'est à toi de jouer. Oui, 2 minutes, j'arrive.
on joue pas aux pièces, hein. C'est un jeu de réflexion, alors j'ai réfléchi. Quand on s'en presse, je joue Égérie, voilà. Égérie ? Algérie. Si, si, je sais ce que ça veut dire. Mais je ne l'utilise pas tous les jours. Bon, tu ne vas pas me donner des cours de français, non ? Tu ferais mieux d'essayer d'épater tes profs plutôt que ta copine. Compte tes points. Bande de points. Eh oui. Vas-y, joue, joue. Kawax ? Rappelle-moi la définition du mot Kawax. Ben, y a une règle au Scrabble. C'est que le mot doit exister dans le dico français. Je sais, tu l'as peut-être entendu dans tes vacances à Dakar. Ça veut peut-être dire quelle heure est-il en sénégalais, mais en tout cas en français, ça veut rien dire. Allez, enlève-moi ça, allez. J'ai pas eu beaucoup de chance jusqu'à présent. Il est temps que ça change. Bon, je change toutes mes lettres. Mais t'as le droit de faire ça? Mais si j'ai le droit, tu ne vas pas m'apprendre les règles du Scrabble. Je change mes lettres et je joue. Oui, mais d'abord tu passes un tour. Ça, c'est les vraies règles. Non, non, ça fait 5 ans que je joue au Scrabble. Je n'ai jamais passé mon tour après avoir changé les lettres. Essaye de tricher en 7 lettres. T'as peut-être tes chances. Ça me fait beaucoup de peine ce que tu dis là. Lina, avec ton ox, tu la merveilleuse. Bon, je passe mon tour. À toi, Clovis. Peut-être que je triche, mais moi, je ne redouble pas. Ça n'a aucun rapport, mais c'est pour parler. J'ai horreur qu'on me traite de tricheuse. Mais c'est pas grave. Joue, joue. Mets-nous un de tes mots barbares. Oui, oui, je sais. Je suis de très mauvaise humeur. Bon, moi, je vais aller... Ah, t'es susceptible, hein ? Ça, voilà un joli mot pour le Scrabble. Bon, on va se baigner. Ça nous mettra peut-être de bonne humeur. Ouais, t'as raison. Swim against, put me down upon my knees. Oh, I beg
on se retrouve. Alors, pas trop déçu, c'est dommage, on est en fin de jeu et tu te fais attraper. Ça va, t'es content? Bon, t'as une minute, enfin, t'as 10 secondes, alors dépêche. Bon, d'abord c'est 20 secondes et si tu es pressé, ce n'est pas compliqué, donne-moi ce billet. Mais tu peux toujours courir, mon grain. Si tu veux le billet, il faut déjà que tu le trouves. Pas besoin de courir puisqu'il suffit de bien se cacher. Bon, puisque tu ne veux pas m'écouter, tes chaussures et tes chaussettes. Fais pas le malin, attends que je devienne douanier à mon tour. Je vais pas te rater, t'as intérêt à courir vite parce que tu vas morfler. Tu vas cracher tes poumons, crois-moi. 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, donne-moi tous les billets qui te restent. Mais désolé, je me suis pressée et stressée et c'est tombé dans la forêt. Mais c'est pas vrai ça, tu peux pas faire attention non? Comment veux-tu qu'on puisse gagner si on perd les billets qu'on récupère? Déjà que c'est la galère et ce jeu me garde, mais me garde si tu savais à quel point. T'es vraiment qu'un gamin, toi. Tu sais, c'est pas qu'un simple jeu, se douaner contrebandier. Au contraire, c'est une véritable confrontation avec l'autre bande. Tu comprends? On peut pas se permettre de perdre. Tu comprends ce que je veux dire? Oh, comme toi, on fait que s'amuser. C'est pas la guerre non plus. Mais si, mon petit bonhomme, ça a toujours été la guerre avec eux. Depuis que nos parents sont enfants, ils faisaient déjà la guerre. On a changé certaines méthodes, mais les jeux d'aujourd'hui ne sont qu'un prétexte à les battre, à les humilier. Tu comprends? C'est une tradition familiale, on peut pas se permettre de perdre. Je peux compter sur toi? Et si tu triches, t'inquiète, j'en dirai rien. Alors je pourrais faire passer plusieurs billets à la fois. Oui, mais sois discret, personne ne doit le savoir, d'accord? Attention, il y a le groupe qui vient. Par où, ok? Descends. Bah les autres, ils vont t'attraper. Non, mais pas aussi haut, mais l'autre là-bas. Tu montes, après, tu... L'autre, il essaie de te rattraper en montant. Mmh. Et là, après, tu sautes entre les branches jusqu'à la terre. Et après, tu cours. Mec, c'est pas chat-perché, hein. Non, mais ça, je sais pas, pourquoi tu te mets dans les arbres? Mais c'est dur à monter dans les arbres. Tu vas perdre un temps. Après, c'est pas comme Tarzan. Non, mais après, mec, sur l'arbre, tu vas prendre 3 minutes, peut-être. 3 minutes pour après te faire attraper. Hey, les mecs, ils ont une trop bonne technique. Ils prennent un chewing-gum, ils le mâchent, après, ils le collent sous le pied. Ok? C'est pas ça. Ah merde. Attrapez-la. 1, 2, 2, 8, 4, 3, 4, foulard. Hé, foulard. Mets-toi. Vite, fouillez-le. 12, 12. Tu contrôles vite. 16, 11, 17, 18, 19, 20. Trop tard. Ah, 18. 18. 19. Ouais. 19. 20. Ils en ont 22. 22. Ah, le foot. Ils ne savent parler que de ça. Pauvre garçon. Bonjour, le niveau. Moi, je dois supporter un père, supporter de Marseille, et un grand frère, supporter du PSG. Je vous explique pas l'ambiance à la maison. En plus, il y a la Coupe du Monde de foot à la télé. Plus moyen de regarder Joséphine Ange Gardien. Moi, j'arrive plus à suivre Secret Story, ça m'écœure grave. Ouais, t'as raison, j'ai le même problème avec ma série Unforgettable. À cause de ces foutus matchs, tous les épisodes sont reportés. Ah, moi aussi, je regarde cette série, enfin en replay sur mon ordi, normalement j'ai pas le droit. Et au fait, Carly et Aïe, ils ont retrouvé l'assassin de cette femme retrouvée sur la plage. À mon avis, c'est un tueur en série. Mais c'est violent comme série, regarde plutôt Secret Story, c'est cool. Non, c'est sûr, tu risques pas à surchauffer le niveau du cerveau. Remarque, t'as raison de regarder Secret Story, t'auras moins peur. Oh ça va maman, je regarde ce que je veux. Bon, ça va, tu vas pas nous gonfler avec son programme débile. Ils sont trop cool, vos parents. Moi, il faut que je ramène les bonnes notes pour regarder la télé.
Non, ça va, pas besoin de raconter ta vie. Bon, si vous regardez cette série, hein, c'est vos problèmes. Comme vous me le savez... Tant ça vous faire. Quand vous me le savez. Demain, c'est dans le... C'est le grand jour du départ. Arrêtez l'alcool, je te l'ai déjà dit. Moi, j'ai préféré avec la veillée. Qu'est... Déjà que j'ai une foutue migraine depuis ce matin. Bon. Coupez. J'ai une foutue migraine depuis ce matin. Et c'est ballon prisonnier demain.